Salut, c'est les vacances, c'est bientôt fini les vacances. Donc ce qu'on va faire, on va pas faire comme d'habitude, on va faire nos devoirs maintenant. Pas dimanche soir à la dernière minute, là voilà, on est studio, on est des bons élèves, on fait les devoirs maintenant. Vous allez faire vos devoirs en même temps que moi, et dès que j'ai fini cette bouteille d'eau, on arrête, et voilà, on aura fait nos devoirs tranquillement, pépouze. Voilà, allez c'est parti, j'écris mes devoirs sur ça. J'ai soif. Ah, j'ai encore soif. Oh, j'ai encore soif. Oh, j'ai encore soif. Il n'y en a plus. Vous avez bien avancé? Moi, j'ai fini. Salut! Aujourd'hui, on est des bonhommes, on va jouer à un jeu d'horreur. Attends. Si t'es un bonhomme ou une bonne femme, je dois rester dans la vidéo parce que moi, je suis un bonhomme. Je vais jouer au jeu. Donc, moi, si je joue, toi, tu regardes, ok? On va jouer à un jeu, il s'appelle Five Nights at Freddy's. En gros, t'es dans une chambre, il y a deux portes, il y a des monstres, ils veulent te buter, tu dois pas les laisser te buter. Bon, ok, ça commence. On est des bonhommes ou on n'est pas des bonhommes? Ce jeu, c'est t'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme? La tête d'homme, je suis un bonhomme. La dinguerie, c'est que tellement j'ai joué au jeu là, à force de faire des lives YouTube, j'ai plus de voix. J'ai vu, t'as vu, on a vu, oh la vie, oh là 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 là, wesh, tu veux me faire peur toi? Tu veux me faire peur? Tu veux me faire peur à moi? Wesh, le jeu il a peur de moi frère. Y'a rien depuis tout à l'heure. Va te faire foutre toi, va te faire foutre. Commence pas à venir. Je vais gagner. La tête d'homme, je vais gagner frère. Salut. C'est bientôt quoi? La rentrée. Mais en vrai de vrai, quand tu regardes bien, la rentrée c'est trop bien. Tu retrouves tes potes, tout ça. Le soir d'avant, t'arrives pas à dormir tellement t'es excité, tout ça. C'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est nos ennemis. C'est ceux qui font les classes. Je vous jure, je sais pas c'est qui, mais un jour je vais vous retrouver. On va être face à face, comme ça. Il y a un problème, jeune homme? Et je vais rien faire. Mais oui, voilà, c'est eux nos vrais ennemis. Le vrai truc qui est chiant, c'est pas la rentrée. C'est quand t'arrives devant les listes de classes. Voilà la liste de classes, comme ça. Je lis. Hop, ah, je suis là. Hop. Ah, bah, y'a que moi. Comment ça, y'a que moi? Là-bas, là, deux mètres plus loin, y'a tous mes potes. Moi, je suis tout seul. Oh, l'année, elle va être incroyable. On est tous ensemble, frère. On est tous ensemble, là? Non, vous mentez. Ah, non, nous, on est ensemble. Toi, t'es pas avec nous. Wesh, on a la meilleure classe. Eh, vous êtes chiants, on va tous manger au McDo, là. Vas-y, attends, je vais juste voir ma classe, vite fait, et après, je viens avec vous. Non, mais que les gens de la classe. Vas-y, on y va, hein. Et après, quand tu rentres chez toi, t'as trop le seum de ta classe. En plus, le pire, c'est que t'as même pas le même emploi du temps qu'eux. Ça veut dire que tu vas... Aïe. Salut. On en a tous un ou une dans notre classe. Les intellos. Mais on va pas parler des intellos normaux, parce que eux, ils sont gentils, c'est nos potes. Ils sont cool, ils ont juste des bonnes notes. Ils sont forts à l'école, y'a rien de mal. On va parler des intellos que personne aime. C'est même pas des intellos, d'abord. C'est même pas les premiers de la classe, mais ils veulent absolument que les profs les kiffent. Pourquoi? Mais c'est pas possible, ils sont prêts à tout pour ça. Tu ta mère. Oui, tout de suite, maître. Ah, je vous jure, ils sont prêts à faire ça pour que le prof, il dise, lui, c'est mon chouchou, lui. Mais le pire, c'est quand tu copies sur eux. Si tu regardes encore, je vais le dire au prof. Chut, ma femme. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Rien. Mais dis-le-moi si tu veux pas que je copie, dis-le-moi. Pas au prof, c'est à moi qu'il faut dire c'est qui copie, c'est le prof ou c'est moi? C'est le prof ou c'est moi? Je te préviens, arrête de copier, sinon je vais devoir le dire au prof. Aïe. Oui, bon, c'est vrai que c'est possible que je continue de copier, même si tu me le dis. Mais quand même, c'est à moi qu'il faut le dire, c'est pas au prof. Mais il y a un truc que je déteste, c'est quand ils distribuent les contrôles. Normalement, il y a rien. Ils te rendent ton contrôle, tu vois que t'as une mauvaise note, et... Eh ben non, pas avec eux. Noé. Aïe. Ouh là. Ouais. Oh, c'est bon, pas la peine de faire les choquer. Je sais très bien qu'ils doivent manger des livres. Oh oui. Monsieur, hier j'ai mangé un livre. C'était très bon, ça avait un goût de... Maintenant, un truc que j'ai jamais oublié. J'étais tranquille en cours, assis à côté de l'intello, plus, mais j'ai rien fait. J'étais comme ça, en train d'écrire. Et il y a un truc qui gênait. Ça. Mais depuis quand ça gêne, ça? Pousse-toi. Qu'est-ce que t'as, toi? T'as ton côté, j'ai mon côté, tu dépasses pas la ligne. Bon, après, j'avoue, quand j'ai vu que ça l'énervait, j'ai un peu abusé après. Un problème? Salut. Si quelqu'un vous dit de faire une connerie en cours, le faites surtout pas. C'est un piège. Quand je vous raconte des anecdotes sur les conneries au collège, c'est rarement mes conneries à moi. Mais là, c'est une connerie à moi. Je me suis fait trahir.
C'était au collège et dans mon porte-clés, j'avais un laser. Ça commence mal. C'était un petit laser à peu près de cette taille-là que j'avais acheté en vacances et il faisait un point rouge, voilà. Un point que tu voyais bien, mais c'était pas un truc de ouf. Juste devant moi, il y a une fille et elle me dit quoi? Elle me dit, vas-y, mets le laser sur le prof. Alors moi, ouais, je suis pas bête. Intelligent, mec mature, qui travaille à l'école, qui a des bonnes notes, que les profs... Je mets le laser sur le prof. Il peut rien se passer. J'allume le laser, je le mets sur le prof. Dès qu'il se retourne, j'enlève. Mets-le sur le tableau maintenant, comme ça, il voit. Qu'est-ce que je fais? Je le mets sur le tableau, tu vois. Moi aussi, ça me faisait rire. Le prof, ça commence à le rendre fou parce qu'il est en train d'écrire sur le tableau et il y a un laser qui bouge partout devant lui. Donc, il fait quoi? Il se retourne. Oh, bon, ça suffit! Il regarde où? Au fond, pile sur moi! Il regarde là-bas, je suis là-bas. Sauf qu'il y a qui devant moi? La fille qui m'a dit de faire la connerie. Et c'est qui cette fille? C'est la déléguée. Elle a des bonnes notes, elle est sage et les profs, ils l'aiment. Et ouais, j'avais une sécurité. Ça sonne, je me barre, je me suis pas fait cramer, je me suis bien amusé. Incroyable, non? Bah, à votre avis, qu'est-ce qui se passe alors si je me suis pas fait cramer? Bon, vous pouvez y aller. Monsieur, je peux vous parler, s'il vous plaît? Vous pouvez même pas savoir à quel point je me suis senti trahi. Je n'oublierai jamais. Mais moi, j'en savais rien de tout ça. Je savais pas que je m'étais fait balance. Fin de semaine, j'ai recours avec ce prof. Je rentre en classe, tranquille. Bah, franchement, je me doute de rien. Je vais, je m'assois. Noé, ton carnet sur mon bureau. Quoi? Pourquoi? Mais les gars, je vous jure que pendant quelques secondes, je suis devenu un méchant dans les films. Je reviendrai. Il y a des trucs, c'est vraiment insupportable. Genre ça, par exemple. Ah, t'as mal? Comment tu t'es fait ça? Ça se voit pas que j'ai mal? Ça se voit pas que j'ai mal? Vas-y, viens là, viens là. Ouais, j'ai mal. Je me suis cogné l'orteil contre le coin du meuble. Oh, ça m'a aidé de me confesser, j'ai plus mal. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir comment je me suis fait mal, hein? Je sais pas, aide-moi, fais-moi des gestes de premier secours, fais-moi un massage cardiaque. Du bouche à bouche, si t'es ma crush. Ça, ça aide beaucoup, c'est scientifique. Mathématiques. Aïe, 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 aïe. T'as mal, ça va? Tu t'es fait mal où? Aïe, aïe, ah, je me suis fait mal là. Hein? D'après l'article 55 des droits de l'homme français, si un citoyen français se fait mal à la bouche, vous êtes dans l'obligation de lui faire un bouche à bouche. Tu ne veux quand même pas aller en prison pour non-assistance à personne en danger. Maintenant, ceux qui font ce truc... À quoi tu joues, mec? Il me fait une symphonie avec sa bouche. Ok, je suis gentil. Eh, mais je peux aussi être méchant. Alors continue à faire tes bruits de bouche et tu vas voir si je... Est-ce que je viens de me mettre une claque tout seul? Ouais, et j'ai tellement mal que j'ai envie de me tabasser tout seul. Qu'est-ce qu'il y a, un problème? Moi, tu me frappes, moi? Moi, tu me frappes? Je te frappe, toi, tu vas faire quoi? Salut, salut! Hier, j'ai failli mourir. J'habite dans le 78, pas trop loin de Paris. Hier, il neigeait. Il faisait à peu près moins 40. Sans mentir, il faisait à peu près moins 40. Il neigeait et j'étais dehors. Et surtout, j'avais pas de gants. Déjà, la sensation que j'avais en rentrant chez moi, c'était hardcore. Je sentais plus mes doigts. J'avais l'impression que j'avais plus de doigts. Vous connaissez cette sensation quand t'as froid aux doigts, t'arrives pas à les plier, t'arrives à rien faire. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans la salle de bain, je me mets de l'eau chaude sur les doigts pour essayer de les réchauffer un peu. V'là-t-il pas que ça fonctionne pas? Donc qu'est-ce que je fais? Tu peux pas comprendre si tu t'es jamais fait mal aux doigts alors que t'as les doigts froids. C'est une des pires douleurs du monde. Pour la peine, je me mets ce petit badge. Voilà, soldat du froid. Là, cette douleur, elle était là. Maintenant, je vais vous parler d'une douleur, elle est là. T'es tranquillement posé sur ton lit. Sur ton téléphone. Et là, tu te dis... Ah, je suis pas bien là, je vais changer de position. Donc, tu plies tes jambes pour être plus à l'aise. Et là! Boum! Les gars, je vous jure que la crampe à la jambe, c'est la pire douleur du... Ceux qui n'ont jamais eu ça, faites attention, ça arrive. Faites attention. Protégez-vous. Maintenant, cette douleur, je suis sûr qu'on l'a tous déjà eu au moins une fois. T'es tranquillement posé sur ton lit. Encore. Ouais, je lève-toi un peu, fais autre chose. Et là, tu lèves un peu ton téléphone au-dessus de ta tête. Erreur. Et là, ta mère, elle peut enfin sortir cette phrase. Maman, je me suis fait mal au nez. C'est à cause du téléphone, ça. Tu vas trop sur ton téléphone.